Alors, Ayet, c'est un petit village de 60-70 habitants. Donc, la place principale, la place Monseigneur Rumeau, il y a un panneau d'ailleurs, Don Gracieux à la commune, parce qu'il avait offert sa maison pour la raser à la commune. Il l'a donné à la commune à l'époque, et pour créer justement cette place. Ensuite, le barrage. Alors, il y a le qui alimente le canal de l'Aneste. C'est un canal qui descend jusque sur le plateau d'Anmezan, qui alimente la Save, la Baïse et les lacs maintenant de retenue pour arroser le maïs. Et le canal, il a été creusé sous Napoléon, en prise directe. Et la CACG, maintenant les Coteaux de Gascogne, ont créé le barrage pour réguler le flux d'eau dans le canal. Ensuite, il y a donc une carrière de marbre sur le village d'Hyette, qui avait été ouverte du temps de Louis XIV, qui a été ensuite fermée, qui n'a pas été exploitée pendant le début du... après la guerre de 14, ça a fermé. Et qui a été reprise maintenant par une entreprise des carriers, c'est Et dans le de temps, il l'Aveyron. descendait le marbre comment? Alors, dans le temps, il descendait par un petit chemin sur des rouleaux qui arrivaient ici. Et ici, il chargeait le marbre sur des radeaux, sur l'Aneste, qui était navigable à l'époque, il n'y avait pas Cap de Long. Et les râteliers d'Hyette, ils étaient bien connus. Ils descendaient avec les blocs de marbre jusqu'à Bordeaux, où ils vendaient le marbre, ils vendaient les arbres, et ils rentraient avec la calèche. Pour ça que il s'appelle ce marbre-là, qui est très joli, qui s'appelle le Sarrancolin, parce qu'il chargeait en fait sur la commune de Sarrancolin, en face de Sarrancolin. Et c'est un marbre qui est très beau, qui a servi à la Galerie des Glaces à Versailles. Il y a beaucoup de châteaux de la Loire qui ont des cheminées en marbre d'Hyette qui s'appelle le Sarrancolin. Et quoi? Donc la voie ferrée, J'encule pas trop. si, la voie ferrée qui desservait Arreau dans le temps, depuis la gare de Lannemezan, pour les personnes, a été abandonnée dans les années 60, je pense. Et elle ne fonctionnait plus que pour alimenter l'usine de Corendon de Bayred. Et ensuite, elle a été fermée complètement quand ils ont fait la voie rapide de Hesche, parce que elle croise, c'est cette voie qui est que l'on croise presque en haut de la Barthe, là-haut. Donc cette ligne allait d'Arreau et qui allait jusqu'à où alors? Et enfin, Lannemezan. Ouais. Ah, d'accord. Et cette ligne, vous l'aviez déjà prise, vous? Ah oui, moi, quand j'étais jeune à Arreau, dans les années 60, 60-70, certains jours, il n'y avait pas le bus, on descendait en Micheline par cette voie ferrée. Vas-y aussi. On vient de Nantes et on vient à Saint-Lary environ 3-4 fois par an, souvent au ski et puis en été. Et on vient souvent à l'automne parce qu'on adore les couleurs de l'automne et se balader. Maman, vas-y. Et ici, où c'est qu'on est? À Ayette. D'accord. Et vous connaissez le. Vous êtes déjà venu par ici ou c'est la Non, jamais, c'est la première fois. On faisait de la grimpe à Saint-Rancolin là et puis on est venu se balader un peu, on a découvert. Donc D'accord. c'est sympa. Et vous connaissez que du côté de Saint-Lary, vous connaissez vraiment tous les Hautes-Pyrénées? Surtout Saint-Lary, vers Puy-en-Galil, le massif du Neuviel, et après un peu vers Barèges, la Mongie, le col du Tourmalet et vers Loudenville. D'accord. Et vous trouvez comment sinon? C'est magnifique, hein. La neige, l'hiver, et puis l'été, pouvoir faire. De la randonnée et puis il y a des beaux sommets avec le Nauviel, l'Arbison, donc c'est bien, il y a de la haute montagne, de la moyenne montagne, donc c'est sympa.
Bah moi je viens de Nantes. Ça fait à peu près 6 ans qu'on est à Saint-Lary. J'aime bien le coin, à part que j'aime pas trop monter les montagnes. Mais enfin, je trouve que c'est beau. Les paysages sont beaux. Il y a plein de trucs magnifiques. Enfin, voilà quoi. Que ce soit l'été ou l'hiver, c'est beau qu'on passe d'un endroit à l'autre, c'est différent. Il y a différentes montagnes. On peut faire plein de balades sympas qui peuvent être longues ou pas longues suivant nos envies. Enfin voilà. Alors nous venons de Bordeaux, nous sommes à Ilette ces temps-ci, nous sommes venus pour les vacances, nous venons de temps en temps, nous avons décidé aujourd'hui de faire une excursion avec deux enfants de 5 ans, tout en haut d'une montagne, ça a bien monté pendant une heure, on a pu manger avec des vaches, et puis sinon hier on a été au tunnel de Bielsa, on a pu voir la neige et faire de la luge, voilà, donc on profite du beau temps et de la montagne. D'accord. Et ici, vous êtes déjà venu dans la région ou c'est la première fois? Alors, on est déjà venu quelques fois, toujours pareil parce qu'on a des amis qui ont une maison. Voilà, alors là, avant, c'était plutôt pour s'amuser entre jeunes et maintenant qu'on a les enfants, pour découvrir un peu la montagne et plus les randonnées. Et dans les Hautes-Pyrénées, qu'est-ce que vous connaissez comme coïncidence? On connaît un peu plus tout ce qui est autour de Tarbes, on n'est pas très loin, Luzardidène, parce qu'on y va en vacances. On connaît aussi la vallée de l'Espone qui est à côté de la Mongie, Saint-Lary, bien sûr, où on n'est pas loin, et c'est essentiellement tout. Ouais. Et comment vous trouvez le village là? Alors le village là est très reposant parce que c'est vraiment typique des Pyrénées avec tous les toits qui sont en ardoise. Ça fait vraiment petit village avec les marchés. Ce matin il y avait les brebis à Sarancolin. Voilà, c'est toujours très agréable et très dépaysant quand on vient d'une ville de Bordeaux.